Imran Hassan déclare ses envies d'aller jouer en Europe. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien et j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne, likez, abonnez-vous. Je scrollais sur internet il y a quelques minutes, quelques heures et je vois des déclarations de Imran Hassan. Il a accordé un entretien à un média et il aurait dit que... En tout cas, lui, il aimerait aller déjà en Europe. Bon, en tout cas, mais si son club actuel, futur FC, arrive bien sûr à lever l'option qu'il va rester dans ce club-là, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Mais ce sont des erreurs de communication. Vous voyez, nous, on est communicateurs ici sur la chaîne et on arrive à détecter ces genres d'erreurs-là. Tu as une option d'achat qui doit être levée. Et bon, tu dis que bon, tu as demandé à ton agent s'il y a des opportunités en Europe de te les trouver et tout et tout. Le club dans lequel tu es, le club va prendre ça comment? Selon toi. Moi, je suis président d'un club, je t'ai embauché. Et bon, prêt avec option d'achat, j'ai pas encore levé l'option d'achat. On est en train de réfléchir, on est en train d'analyser. Et toi, tu trouves déjà que bon, si tu as des attaches en Europe et tout et tout, est-ce que ça va nous encourager aussi encore à te prolonger? Ouais. La gestion de carrière, c'est tout autre chose. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et cette vidéo, c'est bien sûr une édition unique. Je vais parler seulement de cette situation-là. Et bon, il n'y aura pas d'autres informations parce que j'ai appris ça rapidement. Il y aura des vidéos de ce genre-là sur la chaîne. Donc, ne soyez pas à décourager, ne soyez pas surpris. Je serai très ravi de vous lire en commentaire par rapport à cette déclaration de Imran Hassan. Et c'est vrai, il faut être ambitieux. J'aime bien sûr l'ambition du joueur. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas la communication qu'il faille avoir ça. Ouais. Avec cette communication, le club dans lequel tu es, c'est-à-dire Future FC, Future FC peut penser que tu as déjà des attaches. Parce que c'est comme le singe. Le singe, avant de laisser une branche, il attrape une deuxième branche. C'est comme un aveugle qui dit qu'il va te lapider. C'est sûr qu'il a déjà un pied sur une pierre. Donc ces gens de les clubs maghrébins là, c'est des gens qui travaillent au sein de ces clubs, c'est des technocrates, des gens qui réfléchissent vraiment à 1000 à l'heure. Avec cette déclaration, ils peuvent décortiquer des choses. Donc c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire à l'avenir. Vous voyez. Et bon, si vous êtes un footballeur, vous êtes en train de suivre cette chaîne, si vous êtes un président de club et tout, il faut dire à vos joueurs de ne jamais commettre ces genres d'erreurs là. Maintenant, l'autre erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas saisir cette grosse opportunité. À l'heure du digital, le chômage n'existe plus. Tu ne peux pas avoir un portable Android, une connexion internet et continuer bien sûr à parler de chômage. Compte à formation YouTube avec nous, un seul comptable, plus 229 53 63 87 30. Tu as bien sûr créé du contenu sur YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que nous on fait ici. YouTube va te payer à la banque, bien sûr. Donc voilà l'erreur, la grosse erreur de Imran Hassan. Je serais très ravi de vous lire en commentaire et vous voyez, il y a beaucoup d'informations actuellement. Le cinquième vice-président, bien sûr, de la Fédération Bénoise de football a été, bien sûr, inhumé. Et bon, que la terre soit légère, beaucoup de choses à savoir. Je reviendrai. Cette vidéo, elle est très très courte. Je reviendrai pour d'autres informations encore. Ouais, je reviendrai pour d'autres informations encore. J'avais à cœur de faire un direct ce soir. Ben, j'ai vu que bon, si je fais le direct, est-ce que ça va prendre? Est-ce que le direct va prendre? Est-ce que vous serez là? Sinon, ça ne gêne pas. En tout cas, voilà la déclaration de Imran Hassan. Donnez vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous.